Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité, vous nous recevez ce matin, vous nous suivez de partout à travers Congo Live Télévision. Mercredi 21 juin 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue. Gédéon Sepengwa ce matin, notre invité. Je vous rappelle qu'il est combattant de l'IDPS. Gédéon, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à Congo Live TV, à tous les citoyens congolais. Vous allez bien? Tout va bien. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin à Goma? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose, tout va bien. On a appris quand même de ce soir quelques incidents qui ont eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les quartiers nord de Goma? Je ne suis pas encore bien informé sur la situation, mais au moins nous avons vu sur les réseaux sociaux, mais aussi apprendre d'attendre des coups de balles qui ont crépité cette nuit-là. Vers 21h, on cherche encore à avoir des précisions sur ce qui s'est passé. On apprend qu'il y a eu des vies qu'on a perdues à ce niveau-là. Nous allons nous informer au courant de la journée. Nous sommes les grands matins. Alors ce matin, on va décrypter ce communiqué du M23. Excusez, dans une nouvelle mise à jour, le M23 dit attendre le dialogue direct avec le gouvernement de Kinshasa. Il indique ne pas être concerné par le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion, ni de cantonnement. Comment vous trouvez cela? Bon, là, oui, le communiqué est clair, ça concerne que le M23. C'est un communiqué d'ailleurs qui ne concerne pas le gouvernement congolais. Je ne sais pas s'il s'adresse à qui, parce qu'il y a déjà une réponse à ce communiqué-là depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi ils sont en train d'insister sur c'est cette question du dialogue, parce que même dans toutes disons, les rencontres, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Addis Abeba, je passe au Burundi, en Angola, la question du dialogue n'a jamais été évoquée par tous ceux qui ont pris part, les concernés, dans la résolution de cette crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il n'y a que le M23 qui revendique ce dialogue à côté de là où au-delà même de... Ils ne savent pas le dire car il y a disons, dans des rencontres, sinon dans l'organisation régionale ou sous-régionale, ils ne savent pas l'évoquer. C'est quand ils sont chez eux ici dans la brousse qu'il faut se ressortir de communiquer pour revendiquer un prétendu dialogue. Mais déjà, ils ne sont pas d'accord avec les désarmements, ni les cantonnements, ni les démobilisations. Ils veulent un dialogue direct avec le gouvernement congolais. C'est le comportement qu'ils ont affiché parce que tout ce qui a été convenu dans des rencontres a accouché d'une souris. Et donc, c'est parce qu'ils tenaient sur ce qu'ils sont en train d'appeler dialogue pour qu'ils soient réintégrés, pour qu'on les trouve encore un espace dans la politique, dans l'armée, dans la police, et dans l'administration, tout ça. Moi, je pense que cet État est révolu. Ils ont une mentalité qui n'a pas évolué, c'est la sienne. Il y a un nouveau régime avec une autre manière de diriger, une façon autre de voir les choses. Alors, pour ce régime, on ne peut pas prendre des gens qui sont en train d'agresser la République et les donner un espace dans la politique congolaise. C'est infiltrer même la politique congolaise. Et c'est à cela que nous avons été victimes à l'époque, parce que ceux qui ont dirigé à l'époque, ils cédaient facilement à des caprices comme ça. Aujourd'hui donc, ce que le M23 est en train de déclarer, c'est une déclaration tacite d'une guerre, parce que le Congo, vraiment, ça c'est une ligne rouge, quoi. Ça c'est le ribico pour le Congo, et donc, il ne peut pas y avoir un dialogue avec le M23. Toutes ces revendications sont des nils les faits. Et le M23 connaissent très bien que le Congo n'est pas de ce côté-là. Et quand ils déclarent, quand ils refusent le cantonnement, le désarmement, c'est pour dire qu'il faut
à faire une démonstration de force. Celui qui va l'emporter, alors, il va s'imposer, il va imposer, disons, ses avis, ses opinions aussi. Mais le M23 qui est préparé, qui a accepté ailleurs de se cantonner, de se désarmer, voilà, qui il dit au gouvernement que votre plat là, il dit, disons, à l'EAC, qui est aussi partenaire, il dit à la CIRGL, il dit à l'Union africaine que non, votre plat là, disons, votre schéma, nous n'y sommes pas, nous voilà notre schéma. Nous attendons la réaction. Alors, monsieur Gédéo, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Parce que d'une part, il y a l'M23 qui ne fait pas obtempérer, parce qu'il y a Nairobi et Luanda qui ont exigé à ces gens-là, qui ont posé certaines conditions que l'M23 doit suivre. Et voilà, l'M23 qui fait un communiqué pour dire que non, il n'est pas d'accord. C'est vraiment un dialogue direct. Les nouvelles hostilités. Tout à fait, c'est une déclaration, je dis que c'est une déclaration tacite de la guerre. Et donc, qu'est de dire que non, nous déclarons la guerre, c'est facile de dire que nous demandons le dialogue parce que ça sonne mal dans les oreilles du gouvernement congolais. Et donc, je pense que nous devons nous attendre, nous préparer psychologiquement que non, il y a une déclaration de la guerre du côté du M23. Le Congo ne va pas rester dans cette distraction d'attendre le respect des personnes qui sont de mauvaise foi, dire qu'un jour ils pouvaient céder, fléchir, commencer à se cantonner. Ils ne peuvent que fléchir devant la puissance des faits. Comprenons seulement qu'il y aura de nouvelles hostilités qui vont reprendre. Et donc, c'est déjà dit autrement par les terroristes M23. Et la question du dialogue, c'est devenu une loi. Je ne pense pas que c'est à vogue. Nous réitérons notre appel au Rwanda pour qu'il retire immédiatement les troupes de la force de défense du Rwanda, ADF, du territoire congolais. Nous demandons également au Rwanda de cesser immédiatement de soutenir le groupe armé M23, sanctionné par les Nations Unies et les États-Unis, dont les groupes d'experts ont constaté qu'ils commettaient de multiples violations des droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme, notamment des viols et des exactions sommaires des civils. Là, c'est l'ambassade des États-Unis. Donc, c'est l'Amérique qui appelle au Rwanda. C'est là. Comment trouvez-vous cette déclaration? Oui, au même moment, nous demandons aussi aux États-Unis d'être nécessaires, d'arrêter ce soutien derrière le Rwanda. Parce que le Rwanda a été le Rwanda avec la bénédiction des Américains, nous nous rappelons, ici, du règne de M. Clinton. Le clan Clinton a fait le Rwanda ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, un génocide qui a été planifié. C'est seulement parce qu'on voulait avoir une mainmise sur la République démocratique du Congo. Si vous lisez plusieurs auteurs, c'est là où maintenant va être décidé. La mort de Habyarimana et le président burundais pour essayer d'écarter la Troïka pour que les Américains aient la même mise sur la République démocratique du Congo, contrôler la région du Grand Lac. Il faut commencer par là. Il faut qu'ils arrêtent. Nous ne voulons plus des déclarations qui n'ont pas leur impact sur le terrain, qui se disent pour essayer de se voiler les faces, alors que, à vrai dire, il y a un soutien qui ne dit pas son nom derrière le Rwanda. Le Rwanda n'est pas le Rwanda que nous connaissons, ça le soutien de ces grandes puissances. Et donc, c'est facile. Il faut qu'il soit sincère, qu'il dise ça au Rwanda, ou soit au Rwandais, de cesser d'agresser la République démocratique du Congo et qu'il arrête ces soutiens-là. Le Rwanda n'est rien. Et ça, le soutien de ces gens-là, et ces Occidentaux-là, nous savons comment ils collaborent, nous savons l'implication de la France. Or, la France et les États-Unis, nous savons comment ils collaborent quand il y a de telles opérations en Afrique. Ils se partagent les butins. S'il n'y a pas une agression qui n'est pas connue par les États-Unis, qui a été à un certain moment la superpuissance qui pouvait dicter
la conduite sur le plan international. Et donc aujourd'hui, nous ne voulons pas encore rester dans des déclarations qui sont hypocrites, tout en sachant là où vient la vraie agression. Donc si les États-Unis veulent que cette agression cesse même aujourd'hui, l'agression va cesser. Parce que Kagame, c'est une marionnette qu'on manipule, c'est qu'on télécommande, qu'on dit de faire et il fait. Vous voyez? Il sait qu'il a devant le Grand Congo, lui ne peut pas s'hasarder. Le Grand Congo qui ne fait rien devant les petits Rwandais, c'est ça? C'est parce que ce n'est pas ces Rwandais-là que nous connaissons. Ce n'est pas ces Rwandais-là. C'est ces Américains-là qui se cachent. C'est ces Français-là qui se cachent. C'est la Grande-Bretagne là qui ne se dévoile pas, mais il faut qu'il se dévoile. Vous verrez qui est derrière cette guerre, à qui la République démocratique du Congo est en train de faire face. Ce n'est pas au Rwanda. On utilise seulement les Rwandais parce qu'on a trouvé des gens qui sont prêts à mourir pour leur cause. C'est seulement ça la réalité. Mais que l'ambassadeur soit sincère, nous ne voulons plus marcher avec des partenaires qui ne sont pas sincères, des partenaires hypocrites. Et dans cette hypocrisie, c'est nous qui pâtissons. Alors, M. Gédéon, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour trouver une solution ici à cela? La solution est entre nos mains et que le gouvernement prenne conscience de ça. Je pense que le gouvernement... c'est donc beaucoup. Selon vous, jusqu'à là, le gouvernement n'a pas encore pris conscience qu'il y a une crise générale, donc c'est ça? Non, le gouvernement, je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'il est à pied d'œuvre pour essayer de mettre fin à ce désordre qui est devenu un mode de vie en République démocratique du Congo, particulièrement à l'est de la République. On sait quand même, à un certain moment, par rapport, on essaie de les évaluer par rapport à ce qu'on est en train de voir. Ils sont plus impliqués sur les plans sécuritaires avec la nouvelle formation, des nouvelles unités, avec, nouvel armement qu'on est en train de renforcer du côté de notre armée. Tout ça, c'est pour dire, nous prenons conscience de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Sinon, ce malheur va rester pour notre prospérité. C'est là où vous verrez que, d'ailleurs, on a passé une émission ici sur ce plateau où on a affirmé que le ministre de la Défense avait déjà dit qu'on l'a autorisé, on a autorisé de lasser les hostilités. Ah, donc, on ne lasse pas. Les jours qu'on l'a dit, on est en train de placer chaque chose à sa place, en train de mettre chaque chose à sa place pour qu'on relance ces hostilités-là, qu'on en finisse avec ce que nous sommes en train de vivre. Sauf qu'à ce moment-là, on ne veut pas que ces puissances-là, ces Occidentaux, se manifestent devant les Rwandais. Si ça se sert, alors qu'ils puissent retirer les mains. Alors, parlons un peu de cette affaire. On va y revenir un tout petit peu. L'affaire du député Edouard Mouagatou, on l'a suivi. En tout cas, c'est comme si la situation s'aggrave pour lui. Il faut d'abord préciser qu'il est prévenu, a fait une crise de tension. L'affaire, en tout cas, a été renvoyée pour ce vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est plaît que sa santé se dégrade du jour au jour, monsieur Gédéon. Et pourtant, il y a les avocats des prévenus qui avait demandé une liberté provisoire en faveur de leurs clients, parce qu'ils ont avancé un motif faisant état que le député, en tout cas, est gravement serré. Moi, je le conjure comme ça, serré, gravement malade. Tout d'abord, à droit, bien que je ne suis pas praticien, je ne suis pas même du domaine, mais au moins, nous informons par rapport au déroulement des procès, comment ça se passe. On ne peut pas donner une liberté provisoire parce qu'on est tombé malade, non. On peut donner une liberté provisoire peut-être parce qu'on voit qu'il y a des faits qui ne sont pas peut-être des situations aggravantes. On peut donner une liberté provisoire, on voit qu'il n'y aura pas fuite et tout.
ça peut permettre. Mais avec la situation dans laquelle Mwangachuchu se retrouve, parce que les faits sont avérés maintenant, et la situation est tellement grave qu'on ne peut pas donner une liberté provisoire. Mais on ne peut pas l'empêcher quand même d'aller se soigner. Il peut se soigner à temps qu'il est prévenu. Vous voyez, ah, mais c'est ça, une députée nationale, hein? Il n'est plus député parce qu'on l'a déjà levé les immunités. Aujourd'hui, il n'est plus député. Et s'il est, c'est un prévenu qui est, disons, en train de comparaître, qui est à la barre, et donc c'est ce qui lui reste. Et maintenant, ces gens-là, on connaît comment ils ont des grimaces. Mwangachuchu, vous pouvez compter les années, c'est parce qu'on n'était pas proche de lui. On ne connaissait pas vraiment ses activités. Mais il a fait des années, n'avait jamais été, n'était jamais malade. Non, c'est parce qu'il veut échapper à la justice qu'on s'est fait, qu'on s'affaiblisse. Mais ce ne sont pas des acharnements politiques. Acharnement, non. Acharnement politique, il y a des faits. Cette fois, je ne pense pas que l'affaire Mwangachuchu, d'ailleurs, ça honore notre justice, surtout notre justice militaire, parce qu'on est sérieux, nous savons que c'est un milliardaire qui peut tout faire avec son argent, mais voilà que la justice au moins est en train de montrer des preuves de sincérité. Aujourd'hui, c'est un grand qui est entre les mains de la justice et qui ne sait pas s'échapper, alors que pour lui, aujourd'hui, il est prêt à mettre tout à jeu pour qu'il puisse se retirer de la justice. Vous voyez, ça, je pense que c'est une honneur pour notre justice aujourd'hui. Alors, ah oui. On revient sur cette affaire M23, certainement on en a parlé. Évariste Ndayishimiye, qui est le président du Burundi en tout cas, déclare ceci: le gouvernement de la RDC doit préparer les zones de cantonnement du M23. Il faut préciser que l'EAC présente, la communauté bien sûr d'Afrique de l'Est, présente sur les sols congolais depuis novembre 2022, a salué les cessez les faits observés au Nord Kivu entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 grâce à ses efforts. Ndayishimiye, président en exercice de l'organisation régionale et président du Burundi, considère cela comme un résultat palpable en dépit des tensions perceptibles liées au regard du cantonnement des rebelles, même si les autorités congolaises remettent en cause en tout cas les efforts fournis par les troupes est-africaines. Il a dit ceci, je cite: mon Nord Kivu, les combattants du M23 qui perturbaient la paix ne sont pas encore cantonnés. Donc, tant qu'ils ne seront pas cantonnés, c'est qu'il y a tension. Et quand il y a tension, Tshisekedi dit, le chef de l'État, voit qu'il n'y a pas les résultats. Mais le travail déjà abattu, c'est que le cessez-le-feu est visible sur le terrain. C'est un résultat palpable, a-t-il indiqué lundi juin dernier dans une interview accordée à la BBC. Au sujet du cantonnement des rebelles, le président burundais a chargé le régime de Kinshasa à en croire les retards observés et dit au fait que le gouvernement congolais n'a toujours pas encore rendu disponibles les sites. Il a dit ceci, je cite: après analyse, on a vu qu'il y a aussi la responsabilité du gouvernement de la RDC parce que c'est lui qui doit préparer les zones de cantonnement M23. Maintenant, on nous a promis que dans 2 semaines, il sera prêt. Une semaine déjà écoulée, dit-il. Voilà. Bon, je pense qu'il était devant les médias et la déclaration est tellement politique. Il ne devait pas quand même prouver la faiblesse de l'organisation régionale dont il est membre, il fait partie. Il est le président également. Où il est le président. Ça ne pouvait pas se faire. Il pouvait chercher quand même des astuces pour montrer qu'il y a un travail qui a été abattu, c'est normal. Mais au même moment, il reconnaît que le M23 ont refusé ce cantonnement. Ça, d'ailleurs, cette déclaration contraste avec les communiqués du M23 qui ne sont pas de ce côté-là, qui ne reconnaissent pas le travail qui avait été fait par tous les chefs d'État de la sous-région et tout ce que nous connaissons. Alors, dire que les sites n'ont pas été préparés, les sites étaient déjà prêts. Il y a les sites de Maniema. Ici, on a parlé
d'un site de Rumangabo qui pouvait servir de précantonnement. Quelle avait été la réaction du M23? Le M23 avait montré son scepticisme sur un certain retrait, un certain désarmement ou pour être cantonné. En tout cas, ils n'ont jamais été d'accord avec ce plan-là. C'est là où c'est ce qu'ils devaient dire. Ils pouvaient montrer que non, le M23, dire qu'il y a la responsabilité du gouvernement de Kinshasa, je ne passe pas parce que le Kinshasa était clair sur ce côté-là, qui a un site dans les maniements. Ici, dernièrement, d'ailleurs, avant, c'est tous les AC qui avaient dit que non, ils devaient aller se cantonner à Sabinho. Je ne sais pas comment on a quitté Sabinho pour aller de l'autre côté. Donc, ce n'était pas une question seulement de la République démocratique du Congo, c'est une question qui était gérée dans l'organisation de l'EAC, ensemble avec les Ndayishimiye. Les options étaient levées aussi au niveau de là. Ce n'est pas que la question des cantonnements ou des sites, parce que ça a été convenu ensemble. Et donc, les efforts conjugués n'ont pas donné les résultats sur ce côté-là. Et donc, nous devons prendre d'autres options, nous devons quitter les statu quo. Parce que revenir encore à la question des cantonnements, c'est traîner les pas alors que nous devons avancer. Il y a l'ennemi qui est sur notre territoire. Donc, je pense que nous devons prendre le rythme de l'ennemi parce que lui, il a déjà déclaré la guerre. Nous n'allons pas rester dans une distraction, dire que non, nous restons figé si la le côté cantonnement désarmement non on voit on dit à malé demi on y va aussi comme ça. Ah oui. D'accord, merci beaucoup GDO, nous arrivons à la fin de cet entretien, merci d'avoir été là ce matin, on se fixe rendez-vous à la prochaine fois pour un nouveau numéro, merci d'avoir été là, merci aussi, bye bye.